Qu'il pourrait faire de toutes ces images et il est en train de s'amuser comme un grand enfant. Bonjour. Vous me faites visiter votre maison et j'ai bien compris que vous l'avez baptisée cette maison, elle a un nom. Est-ce que vous pouvez me dire, me rappeler son nom et m'expliquer pourquoi ? Le nom de cette maison c'est Darzar, en arabe algérien veut dire Darzar, c'est la maison de la chance. C'est une rencontre avec la matière et j'ai voulu à la fois... l'habiter et la reconstituer à ma, selon mes désirs et mes envies. L'équipe a voulu mettre l'accent sur ce point très important des programmes qui est toute l'éducation morale et citoyenne. Et ça n'est pas un point de détail, c'est vraiment un axe fort et une priorité pour toute l'équipe dans notre école qui mixe des populations très différentes. C'est vraiment primordial pour nous de mettre l'accent sur la lutte contre le racisme, contre le sexisme et surtout sur le respect de l'être humain dans toutes ces, avec toutes ces différences et le respect de chacun. Ce mois de juin 2018, vous avez fait un travail pédagogique auprès d'une école primaire de Sisteron. Est-ce que vous pouvez nous dire les conclusions que vous en tirez ?
Les conclusions sont très riches, surprenantes, dans la mesure où j'ai entrepris ce projet sur les droits et les devoirs de l'enfant, j'aborderais une œuvre, c'est-à-dire je n'ai pas de résultat, bien que de résultats préconçus, bien que dans toute œuvre avec l'expérience que j'ai, il n'y a pas d'échec, on ne peut pas avoir d'échec. Avec les enfants, c'est une toile vierge qui automatiquement aurait des résultats. Et ça a dépassé mes attentes. Voilà, ça aurait mérité un peu plus de temps pour avancer plus loin, mais je pense que j'ai laissé une trace. Comme eux ont laissé une trace sur cette expérience. Une expérience très intense. On a pu se donner sur l'idée de ce qu'on pourrait faire par la suite. Il y a eu quelques artisans qui ont fait de grosses œuvres.